Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et salut les gens qui sont déjà dans le chat. J'espère que vous nous entendez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une table ronde sur le jeu de rôle solo. On en a déjà fait une en juillet dernier dans le cadre du festival Draconis hors série. On s'est dit qu'on allait en parler un petit peu. Donc aujourd'hui, on a fait une petite sélection de jeux et d'outils pour le jeu de rôle solo. Et on va vous en parler avec les personnes qui sont avec moi aujourd'hui. Donc on va faire un petit tour de présentation. On va faire ça dans l'ordre, si vous voulez bien. Donc Angela, si tu veux te présenter, nous dire un petit peu pourquoi tu es avec nous. Tu es une experte du jeu de rôle solo, c'est ça? Je ne sais pas, mais ça m'intéresse depuis un moment déjà. Et ouais, je joue beaucoup plus en solo maintenant qu'en groupe, à différents types de jeux. Donc on verra qu'il y a plein de types de jeux et qu'on a tous des pratiques différentes et que c'est génial de jouer en solo. C'est ça, le jeu en solo, c'est génial. C'est exactement pour ça qu'on est là, pour vous en parler. Donc maintenant, on va laisser Berserk se présenter, si tu veux bien. Oui, merci. Donc, je suis Berserk, j'ai un blog qui s'appelle Héros Solitaire, qui parle de jeux de rôle solo et de diverses ressources. Je me suis mis au jeu de rôle solo il y a quelques années, déjà en découvrant des vieux jeux, et puis bah, au fur et à mesure, en voyant surtout les anglo-saxons jouer au jeu de rôle en solo. Et ça m'a de plus en plus intéressé. Parfait. Lorraine, si tu veux te présenter, on t'a déjà vu il n'y a pas très longtemps pour nous parler de jeux de rôle solo, il me semble. Tout à fait. Sur la chaîne Rôliste TV, donc j'en fais partie. Je suis rôliste depuis plusieurs années et je m'intéresse au solo depuis un peu plus d'un an, donc j'ai eu l'occasion d'en tester quelques-uns. Alors, je vais quand même me présenter. Donc moi, c'est Maury, je suis devenue administratrice sur le serveur JDR Solitaire. Donc on fait tous partie de cette communauté sur Discord où on vient justement parler de jeux de rôle en solo, on échange nos expériences, nos avis sur les différents jeux et tout ça. Et donc aujourd'hui, on s'est un petit peu réunis pour vous parler de jeux de rôle solo et on va commencer dans une première partie, on vous parlera justement de jeux vraiment conçus pour jouer en solo. Et dans une seconde partie, on vous parlera plutôt des outils qui permettent de jouer à n'importe quel jeu de rôle, qu'il soit solo ou pas, en fait, il y a des outils pour jouer à n'importe quel jeu de rôle en solo. Et enfin, on vous présentera quand même quelques ressources que vous pourriez explorer pour aller approfondir un petit peu tout ça. Alors, pour commencer, déjà, on va parler de jeux qui sont conçus pour le jeu de rôle en solo. Alors, on a quelques-uns. Est-ce que vous voulez un petit peu parler des petits jeux de rôle qui existent pour commencer, voilà, qui ne sont pas trop compliqués, qu'on peut essayer quand on ne connaît pas du tout le jeu de rôle solo. Si vous avez des... Je peux commencer si ça va à tout Vas-y. Le monde. Celui par lequel moi j'ai commencé, et du coup je peux le conseiller, il s'appelle À la dérive. Est-ce que tu as l'onglet pour leur montrer? Sinon je peux partager mon écran, il n'y a pas de souci. En fait, c'est un jeu sur... On joue quelqu'un qui a été justement, suite à une explosion, qui se retrouve un peu à dériver dans l'espace. Et le but du jeu, ça va être de répondre à des questions sur ce qui s'est passé dans notre passé et un peu aussi dans le présent, en faisant des jets de dés. En fait, il se joue assez simplement, il y a 2D6, on a besoin de 2D6, plus le PDF qui, de mémoire, fait 3 pages à 4, donc vraiment très court. Et en fait, on a notre réserve d'oxygène qui va diminuer au fur et à mesure d'un point à chaque question qu'on répond. Et on va additionner ce nombre d'oxygène qui nous reste aux 2D qu'on fait pour avoir une liste de questions dans lesquelles choisir et répondre pour faire avancer l'histoire. La dérive, je crois que c'est le premier jeu de rôle solo que j'ai testé, et en fait, il nous prend vraiment par la main, parce que c'est un peu spécial, c'est qu'on suit presque un scénario, enfin en tout cas, c'est plusieurs étapes, hein. On voit vraiment le personnage qui va évoluer, donc le jeu, voilà, en 45 minutes, je crois, à peu près, j'avais fait, moi. Et donc, c'est un bon exemple pour commencer, effectivement.
Donc, à la dérive, hein, qui est un jeu qui a une traduction, en fait. Hein, il y a la version française. C'est donc Adrift en anglais, pour ceux qui préféreraient la version anglaise. Est-ce que vous avez chacune et chacun un jeu, un petit jeu à conseiller aussi très simple comme ça? Tu voulais pas nous parler des jeux en 5 minutes? Alors oui, moi j'en ai testé, j'en ai pas testé beaucoup des jeux en 5 minutes, mais beaucoup, ça porte vraiment bien son nom, c'est qu'on va vraiment jouer en solo pendant 5 minutes. Alors vous dites comment c'est possible de jouer en 5 minutes? Et bien simplement, on va lancer quelques dés sur des tables aléatoires. On lance un D6 et on obtient quelques détails, et ensuite on va simplement raconter une scène. Au final, c'est très court, hein, 5 minutes. On ne peut pas raconter grand-chose, mais c'est vraiment un petit exercice d'écriture plutôt où on peut le faire uniquement dans sa tête si on préfère, mais ça peut être un moyen aussi de tester le jeu de rôle en solo. Moi, sinon, je peux vous parler d'un autre jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Alone Among the Stars, qui existe en anglais, qui peut-être, espérons, existera en français bientôt, j'espère. Alone Among the Stars, pareil, c'est un jeu qui fait quelques pages, qui permet de... C'est un peu spécial parce que là, on va écrire un journal de bord d'un voyageur dans l'espace, si on veut, qui explore des planètes. Et donc, au départ, on lance un D6 pour obtenir un certain nombre de cartes qu'on va tirer. Donc, c'est un jeu qui est basé sur des cartes classiques. Il y a beaucoup de jeux, vous verrez, hein, des jeux de rôle solo qui sont basés sur des cartes, on y reviendra plus tard. Et donc, à chaque carte qu'on tire, on va faire une découverte sur une des planètes qu'on est en train d'explorer. Et pour chaque carte, on va rédiger une petite entrée dans notre journal de bord. Et voilà, la valeur et la couleur de la carte vont déterminer la nature en fait, de la découverte qu'on a faite. Donc, ça peut être, par exemple, un animal, un végétal, des ruines, ou que sais-je encore. Et l'endroit où est-ce qu'on l'a découverte, ça peut être l'eau, dans un désert, peu importe. Et donc c'est très simple, mais ça permet comme ça de voyager, de laisser partir son imaginaire un petit peu. Et c'est un bon exercice pour tester le jeu de rôle en solo. C'est un que je conseille à chaque fois. Alors, je peux proposer, moi, un jeu d'un autre style, plutôt orienté OSR, pour les fans d'OSR qui veulent jouer à l'ancienne et qui est vraiment dédié au solo. Ce jeu s'appelle Scarlet Hero. Il est seulement en anglais, et j'adorerais le voir, d'ailleurs, arriver en français, qui a comme point fort d'avoir... tous les points forts et les points clés de l'OSR, mais en plus d'avoir introduit quelques mécaniques dites modernes, comme les tags ou étiquettes en français, pour décrire certains lieux, certains espaces, etc., qui sont très bien trouvés. Des mécaniques du jeu d'ailleurs que j'utilise dans d'autres jeux solo tellement c'est intelligent. Et c'est un jeu qui est complet, qui a beaucoup de ressources, et si ce n'est qu'il est en anglais pour ceux qui ne le lisent pas, a tout de même énormément de points forts, et pour commencer, il est aussi pas mal si on aime ce style de jeu qu'est l'OSR. Voilà. Et donc c'est quel genre de système ça? L'OSR, c'est comme donc l'Old School Renaissance, c'est-à-dire c'est les mécaniques des premiers jeux de rôle, des premiers Donjons et Dragons et affiliés. Parfait, donc là on a vu un peu différents systèmes. Il y a des jeux de rôle solo qui sont basés sur des cartes, donc on a vu, mais il y en a qui sont aussi un peu plus des jeux d'écriture. Je pense qu'on peut citer le jeu Quill, qui a une version aussi un peu plus horrifique, l'univers de Lovecraft. Si Angela, tu veux nous en parler? J'avais oublié de déclencher le son. Donc, on a le jeu Quill, donc l'original qui est imprimé qu'en VO, mais en VF, il existe en numérique. Donc, c'est un jeu d'écriture épistolaire en solitaire. Donc, en fait, on joue un personnage qui écrit une lettre à un PNJ.
Et on a aussi donc une version horreur cosmique. Enfin, on a plusieurs scénarios. On a la version horreur cosmique qui a été, enfin, que j'ai traduit et qui existe maintenant en... Je ne sais pas si c'est trop petit ou pas au niveau de la caméra. Je ne vois pas du tout la caméra, mais qui existe aussi en livret. Ou dans celui-là, c'est une campagne. Donc, on va écrire plusieurs lettres, comme les personnages dans les livres de Lovecraft, qui découvrent des choses un peu étranges et après disparaissent. Donc, chaque nouvelle lettre, c'est un nouveau personnage qui, en fait, enchaîne les découvertes. Il y a eu les lettres. Et ça va crescendo dans l'horreur cosmique. Donc là, on est vraiment sur un... Alors, c'est un jeu d'écriture, mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'écrire une lettre telle quelle ? On peut écrire... dans l'esprit, il faut écrire 5 paragraphes. On peut très bien faire seulement 5 phrases, mais on perd un peu le... l'aspect vraiment lovecraftien de communiquer avec d'autres personnes et dire montrer en fait au fil de la lettre comment on avance dans la perte de notre raison en fait. Donc on peut l'écrire sur ordinateur, on peut faire comme on veut, mais c'est vraiment une expérience très spéciale si on le fait très spécifique si on le fait à la main sur papier. Donc on le voit, il y a quand même beaucoup de styles différents hein, dans les jeux de rôle solo, que ce soit en termes d'ambiance ou même en termes de mécanique. Hein, c'est très varié, c'est aussi varié que du jeu de rôle pas solo. Mais du coup, vous, qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous aimez plutôt les petits jeux courts avec des systèmes plutôt simples ou par écrit ou au contraire des jeux un peu plus denses Du coup, je reprends la parole. Tout simplement, j'ai pas forcément de préférence. Ça va dépendre du temps que j'ai et de l'envie que de à quoi j'ai envie de jouer. Tout simplement, il y a des jours où j'aurai envie de jouer un personnage qui va durer longtemps, une intrigue à part entière parce que j'ai toute l'après-midi, par exemple, pour jouer. Il y a d'autres moments où je vais avoir seulement une demi-heure pendant ma pause le midi pour jouer. Et là, je vais prendre un jeu qui sera plus court. Pareil que Lorraine, en fait. Ça dépend des envies de jeu, si j'ai envie de campagne ou non. De jouer à un gros jeu, c'est-à-dire un jeu qui a une grosse mécanique ou non. En général, en solo, je préfère éviter, mais je peux jouer à des jeux dits de mécanique moyenne en termes de complexité, ça peut m'arriver. Mais sinon, dans la généralité, oui, je suis plutôt comme Lorraine dans ce cas-là. Moi, je préfère aussi les jeux très courts, mais vraiment, vraiment très très courts et très simples. Et j'aime beaucoup voir tout ce que les gens inventent. Donc, au lieu de prendre des dés ou des cartes, ils vont aller chercher un jeu avec des bougies, enfin, ils vont aller écrire des systèmes qui correspondent vraiment à la thématique, et c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc là, ce qui m'intéresse vraiment, et ce à quoi je joue le plus, c'est les micro-jeux, donc des sessions de moins d'une demi-heure en général, et des one-shots. Donc ça peut être des jeux méditatifs, ça peut être des jeux d'écriture, il y a plein plein de types de jeux. Il y a aussi des jeux pour, par exemple, qui sont des jeux plutôt d'imagination, où on va s'imaginer être un autre personnage, par exemple, en train de boire du thé, ou on va s'imaginer être un personnage alors qu'on se promène pour de vrai dans la rue, ou on va observer les passants et imaginer leur vie. C'est tous ces types de jeux un peu atypiques qui me passionnent le plus. Donc on voit bien, hein, si on ne connaît pas le jeu de rôle solo, on peut essayer et vraiment jouer n'importe quand, en très peu de temps, et ça ne nécessite pas énormément de préparation, puisqu'il existe des jeux vraiment très courts et des systèmes très très simples. Mais par contre, si on aime justement des jeux de rôle un peu plus importants, il y a quand même des jeux de rôle solo qui ont des mécaniques
Bah, plus importante, justement, je pense qu'on ne va pas y couper, on va peut-être parler d'Ironstorm à un moment donné, qui est quand même devenu un des jeux assez, assez populaires hein, depuis qu'il a été sorti en 2018, il me semble, donc un jeu créé par Sam Pumpkin. Donc là, on est sur du jeu de rôle qui peut se jouer en solo, mais pas que. Donc, il est un peu entre les deux, on peut jouer avec MJ aussi si on le souhaite. Donc, Ironstorm. Là, pour le coup, si vous aimez des jeux un peu plus classiques avec des ambiances voilà, plus aventure, là, c'est de la dark fantasy dans le setting de base, vous serez un peu plus proche de ce qu'on peut retrouver dans des jeux de rôle, entre guillemets, plus classiques. Donc, vous allez vraiment créer votre feuille de personnage, vous avez des statistiques, vous allez faire... Alors, c'est un jeu qui est basé vraiment assez librement sur le système PBTA, pour ceux qui connaissent, hein, Powered by the Apocalypse. Sauf qu'on ne lancera pas 2d6 plus une caractéristique. Là, on lance 1d6, on compare à 2d10. C'est une mécanique qui est assez simple en soi, mais c'est vrai que le jeu peut être un peu, peut faire un petit peu peur quand on voit qu'il y a quand même 280 pages de PDF. Mais en fait, il y a beaucoup de tables aléatoires dedans. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de jeux de rôle solo. Donc on va peut-être en parler un petit peu aussi, des tables aléatoires. Donc ils sont appelés oracles dans Ironstorm. Donc ça va être simplement hein, des tables, des listes de noms avec, vous allez lancer un dé, en général c'est un des 100 dans Ironstorm, et en fonction du résultat, vous allez obtenir des éléments, par exemple, si vous créez à la volée un personnage, parce qu'on joue en solo, donc on n'a pas envie de préparer des scénarios à l'avance, hein, on fait tout en improvisation la plupart du temps. Donc on peut créer des personnages, des lieux, vraiment en 2 minutes, en lançant quelques dés. Vous allez obtenir un nom, vous allez obtenir des détails sur l'endroit où vous êtes, sur des problématiques autour de vous, sur des créatures qui pourraient peut-être rôder dans le coin. Et donc, on va vraiment créer l'histoire à la... en jouant. Quoi. Ça, c'est... On va peut-être en parler un peu aussi. C'est vraiment ça, le jeu de rôle solo, la plupart du temps, c'est un jeu d'improvisation. Oui. Si vous voulez nous parler un petit peu de comment vous jouez, mais la plupart de... Parfois, on entend cette remarque, oui, mais le jeu de rôle solo, c'est comme les livres dont vous êtes le héros. En fait, non, on ne suit pas un scénario. Oui. C'est la principale différence, justement, entre les jeux de rôle solo et... Enfin, les jeux de rôle solo... Le jeu en solitaire, et puis les livres dont vous êtes le héros, c'est que le livre, en fait, il est déjà écrit. On va avoir le choix de certaines actions à certains moments... Et en gros, on est sur des rails, mais on a potentiellement le choix de sur quel rail on va aller, à droite, à gauche, fouiller le coffre, ne pas le fouiller, etc. Alors que le jeu de rôle solo, pour la majorité, rien n'est écrit. On sera totalement libre, aussi libre qu'on l'est dans un jeu de rôle avec un meneur de jeu et d'autres joueurs, en fait. Donc quand on est joueur solo, on a un petit peu toutes les casquettes, hein. Parfois MJ, parfois joueur, parfois juste spectateur. Hein. Des fois, on ne fait que lire ou relire ce qu'on est en train d'écrire et même réfléchir à ce qui va se passer ensuite. Est-ce que ça, c'est quelque chose que parfois vous pourriez avoir du mal à faire? Est-ce que vous avez des blocages par moment ou justement, grâce aux mécaniques, vous arrivez un peu toujours à retomber sur vos pattes pour créer une histoire, en fait? Pardon, vas-y. Non, bah vas-y, si t'as envie, vas-y, je vous parlerai après. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais prendre l'exemple d'Ironstorm, pareil. Les manœuvres qui sont utilisées dedans, justement, drive le joueur pour qu'il ait suffisamment de liberté, en fait, pour faire avancer l'histoire, mais tout en ne le laissant pas dans la nature, complètement tout seul, en mode... débrouille-toi pour avancer. Là, c'est vraiment cadré, par exemple, dans un voyage, suivant le jet qu'on fait, ben, on va tomber sur diverses... par exemple, ça va être un autre habitant des terres de fer, ça va être une créature, à savoir si elle est agressive ou pas, et ça, on va pouvoir se servir d'autres oracles, justement, pour le déterminer. Et on peut aussi se servir de bah, justement d'oracle pour d'autres jeux de rôle solo, que ce soit des tables aléatoires, savoir par exemple le nom d'une localité, s'il y a une auberge ou pas, si la personne en face de nous va être agressive ou pas. Voilà, il y a plein de,
et à ce qui est dit, qui est très judicieux. J'ajouterais aussi que dans le début de la partie, si ce n'est pas imposé par le thème du jeu, on cadre plus ou moins, c'est suivant les inspirations, les oracles, les tables aléatoires, etc., ce que va être un peu la direction de notre partie. Si ça va être un jeu plutôt aventureux, d'enquête, etc., ce qui va coller à notre envie ou la surprise du moment, parce que ça va être ça les deux points aussi clés d'une partie solo, pour moi en tout cas une partie solo réussie, c'est qu'est-ce qui va motiver la partie, qu'est-ce qui va apporter l'inattendu, l'envie de quête, de progresser, de voir que ce soit réussi ou non en termes de quête, mais en tout cas d'aller voir jusqu'au bout de cette quête, etc. Et c'est le point fort pour moi du jeu de rôle en solitaire, justement, c'est comme on le disait, le scénario se fait à la volée, mais en plus, on peut cadrer quelques pistes, une direction de ce qu'on a envie de faire ou de tenter de faire, et après, dans le déroulé du scénario, soit on aura des surprises, soit ça sera dans cette direction ou non, mais de toujours motiver l'aventure et l'exploration, quelle qu'elle soit, dans le jeu de rôle en solitaire. Voilà, donc on part pas forcément de rien du tout, on peut. Moi, je sais que j'aime bien partir de rien et jeter justement quelques oracles pour trouver des idées et me lancer dans une direction que j'aurais peut-être pas prévue. Mais on peut, voilà, par exemple, Iron Sound permet de cadrer complètement puisqu'on va choisir un vœu. Au départ, le vœu de notre personnage, c'est une quête en fait qu'il veut accomplir. Donc, ça paraît un peu artificiel dit comme ça, mais quand on veut faire un one shot, on va pas s'embêter. On va dire tout simplement, voilà, aujourd'hui, dans cette partie, on va aller, je sais pas, moi, retrouver les reliques de mes ancêtres à tel endroit. Ça oriente déjà l'histoire qui va se dérouler. On peut même lister quelques étapes. Donc, c'est pas forcément des choses qu'on va faire vraiment, mais on peut lister les étapes de, par exemple, là, on va devoir voyager à tel endroit, devoir trouver un allié, devoir affronter telle créature. Ça permet déjà à l'avance de savoir à peu près quel genre d'histoire on a envie de raconter. C'est juste une trame qui peut nous aider, mais on n'est pas obligé de la suivre. Évidemment, au final, ce seront les dés et nos envies sur le moment qui vont déterminer un peu de justement l'histoire, comment elle va se passer. C'est ça qui est assez intéressant aussi dans le jeu de rôle solo, c'est qu'on aura beau prévoir plein de choses, et ben, comme c'est basé beaucoup sur l'improvisation, au final, ça va dépasser complètement ce qu'on attendait des fois. On a des belles surprises même parfois. Oui, je suis d'accord. Donc, est-ce que vous avez un autre exemple de jeu peut-être un peu plus conséquent? Alors, Iron Sworn, c'est vrai qu'il n'est pas si compliqué que ça, les règles sont assez simples au final, mais pour des personnes qui voudraient tester un jeu un peu plus velu, entre guillemets. Berzard, il est quand même très conséquent, Iron Sworn. Il y a quand même beaucoup de règles. Disons que les règles sont un peu longues à assimiler, je l'admets. J'ai mis du temps à le... Je ne pourrais pas le maîtriser parce que je ne peux pas... considérer que je suis non plus une experte du jeu, mais le fait d'y jouer régulièrement, même pas forcément très souvent, mais de faire plusieurs parties, on a bien sûr plus de facilité à se rappeler. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moves, en fait. Il y a beaucoup de manœuvres. Une fois qu'on a commencé à bien les connaître, ça va. Honnêtement, c'est pas un jeu qui est si compliqué que ça. Faut juste l'essayer plusieurs fois, et après, ça roule, quoi. Mais, je sais pas si Berserk avait des exemples plutôt d'autres jeux... Alors oui. Je peux peut-être aussi aborder, justement, pour jouer des jeux un peu plus conséquents, un peu plus costauds, les modules solo, des modules dédiés, qui sont soit génériques, soit dédiés pour un jeu, pour le permettre d'y jouer en solo. Par exemple, le plus ancien, qui est en module générique, le premier que j'ai découvert, qui est en anglais, c'est le Mythic Game Master Emulator, qui, sous renfort de table, de fiches à remplir, etc., vous permet d'animer une partie solo avec quelles que soient les règles que vous choisissez, qui a des qualités, qui a des défauts, mais il faut lui reconnaître que c'est, à ma connaissance en tout cas, le premier qui est sorti. Celui-ci n'a jamais été traduit en français, malheureusement.
Dans les mêmes catégories, toujours en anglais, il y a Conventus Poet aussi, je n'ai plus le nom complet, mais voilà, il est à peu près dans les mêmes périodes, qui lui est beaucoup plus cadré, structuré, pour aider à dérouler une session de jeu de rôle en solitaire. Donc c'est aussi un système générique. Et après, il y a des modules dédiés pour beaucoup de jeux, comme pour ceux qui jouent à Donjons et Dragons, Savage World, un système générique, etc. Il y en a beaucoup. Et après, je vous en présenterai un ou deux en français, si on a le temps. Bah justement, on va aborder les outils en fait pour jeux de rôle solo, puisque tu commences à parler des émulateurs de MJ, donc un nom un peu barbare, mais qui n'est pas si compliqué que ça. En fait, on va pouvoir jouer à n'importe quel jeu de rôle, mais avec... grâce à cette mécanique-là, on peut vraiment jouer en solo. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? Alors, en général, ce sont des modules plus ou moins conséquents. Il y en a de très légers, de quelques petites pages, comme par exemple le One Page Solo Engine, qui existe en français, traduit par Doc Dandy, qui est un petit module générique très bien fait. Ou d'autres plus conséquents, comme j'ai déjà abordé le Mythic Game Master Emulator avec plusieurs suppléments, etc., pour couvrir plusieurs thèmes et genres. Et en général, ces modules sont faits pour la plupart de tableaux comportant aussi bien des oracles, des idées, des mots-clés d'inspiration, que vous allez jeter en commençant une partie, une scène, suivant les résultats de dés ou de cartes, suivant les modules, vont faire des rebondissements, vont altérer une scène ou vous permettre de la jouer telle que vous en avez envie. L'inattendu peut surgir. Par exemple, dans le Mythic Game Master Emulator, dans le système Tofu qui vient de sortir très récemment en français, il y a le chiffre du chaos qui peut, si vous avez une partie un peu plan-plan, c'est-à-dire où il n'y a pas tellement d'inattendus, le chiffre du chaos va augmenter jusqu'à ce qu'un événement inattendu survienne. Et à partir de ce moment-là, le chiffre du chaos va baisser de nouveau pour revenir vers une partie moins surprenante, moins chaotique, et pour de nouveau ressurgir à d'autres moments de partie. Donc souvent, ces petits modules vont vous permettre de jouer avec vos règles favorites, quelles qu'elles soient. Donc, vous en avez qui sont dédiées pour votre jeu, qui peuvent exister, ou d'autres génériques, comme le One Patch ou le Engine en français, par exemple, et qui vont vous permettre de poser des cadres, des scènes, des lieux, des PNJ, leur attitude, etc., pour jouer votre session solo. Donc là encore, on ne prépare rien à l'avance, on ne va pas simplement prendre un scénario, par exemple, mettons que je sois fan d'un célèbre jeu avec des donjons et des dragons, mais je veux jouer en solo, est-ce que je vais aller juste prendre un scénario et suivre, ou je vais juste pouvoir utiliser un de ces outils d'émulateur de MJ, tout simplement ? Alors si, c'est ce que je conseille surtout à ceux qui débutent en solo, c'était peut-être à quelqu'un d'autre de répondre. Non, tu as l'air d'être bien calé, mais si les autres veulent intervenir, pas de souci aussi. Je vais faire bref. Ce que je conseille à ceux qui débutent en solo, c'est de commencer par, même si ce n'est pas évident et si la personne n'a pas l'habitude, par l'improvisation et par créer son scénario à la volée. Ça paraît plus dur quand on le dit, mais en fait, à le faire, c'est plus simple. Par contre, il y a une possibilité de jouer des scénarios préécrits en solitaire. Ce n'est pas le plus évident. Il faut arriver à porter de l'intérêt et de l'inattendu dans quelque chose qui existe déjà. Donc, il y a des techniques, par exemple, lire au fur et à mesure de l'avancée le scénario préécrit, s'adapter. Ça demande un travail, je dirais presque, d'adaptation. Encore plus important, je dirais, que le scénario à la volée. En tout cas, à mon avis. Surtout pour un débutant en jeu de rôle en solitaire. Oui, c'est ça le but. Ça ne va pas être de devoir prendre un scénario et devoir tout changer pour pouvoir l'adapter à un seul personnage qui serait confronté à toute l'adversité qu'il peut y avoir, tous les ennemis. Ça, ce serait compliqué à faire. Oui, tout à fait. Surtout au début. Lorraine, tu voulais intervenir ?
Je peux citer un autre émulateur de MJ que j'utilise, qui s'appelle MuseOracle, qui est lui basé sur des cartes avec justement plein de mots-clés de différents types pour pouvoir nous servir d'oracle et de avec enfin de répondre à plusieurs types de questions. Il y a notamment si on manque de dés par exemple, ça peut servir parce que il y a aussi des résultats de dés, il y a des petites images, les fameux omen, donc les oui, les oui, non et mais, ce qui donne si on a une question fermée. Pour les questions ouvertes, il y a soit les 10 mots qui sont autour, il y a des verbes, des adjectifs, des lieux, des relations, enfin voilà. Et en fait, ça permet justement d'utiliser un jeu de rôle qu'on dit classique, sur lequel on va pouvoir jouer en groupe. Et chaque fois que, en tant que solo rôliste, on aura une question, on va pouvoir tirer une carte et choisir un mot en fait au hasard, un ou deux mots au hasard dessus, pour nous permettre d'avancer et de répondre à la question en nous servant en fait de notre imagination et en étant cadré en fait dans notre réponse par justement ces mots-clés qu'on a tirés. Par exemple, si je demande quel est, je me suis perdue dans une forêt. Je décide que mon personnage trouve un endroit complètement inattendu. Si je tire les deux mots ruine et elfe, par exemple, ça va pas du tout être la même chose que je tire marais et puis grenouille, par exemple. Donc on va, en fait, quand on est solo rôliste, on se pose beaucoup de questions puisqu'on n'a pas de MJ pour nous répondre. Hein, donc on va passer notre temps à se demander, au lieu de se dire où est-ce que les je suis, questions on va, qu'on voilà. pose à un MJ en fait sur une partie classique, on va se les poser entre guillemets à soi-même ou à l'émulateur de MJ dans le cas où si on en utilise un. Voilà, c'est le principe d'improviser complètement. Et comme on disait, hein, ça a l'air un petit peu compliqué quand on se dit comme ça, il faut tout improviser, mais en fait, ça se fait naturellement. On n'a pas besoin d'avoir un entraînement particulier, on a tous un petit peu d'imagination, et grâce aux outils qu'on a, on n'a pas besoin de créer grand-chose, en fait, puisqu'on va tirer aléatoirement plein de détails. Ça va remplacer complètement tout ce travail de MJ qu'on n'a pas à faire, puisque les lieux, on n'a rien préparé, on va tirer au fur et à mesure qu'on avance dans notre voyage, pareil pour les ennemis, toutes les intrigues. Et au final, ça va être notre propre raisonnement et on va réussir à faire en sorte que l'histoire soit logique. On peut se dire, ouais, mais ça va partir dans tous les sens puisque c'est aléatoire. En fait, pas tant que ça. On se rend compte que de nous-mêmes, on va créer une histoire qui, au final, sera logique puisque, avec les éléments qu'on aura tirés avant, on va faire en sorte que ce soit un petit peu cohérent en tout cas. Mais ça reste à la personne qui joue de faire de la cohérence quand même autour du monde. C'est-à-dire choisir les tables aléatoires pour que ça reste en correspondance avec son monde. Si elle joue dans un monde médiéval fantastique et que soudainement elle met une table aléatoire qui se passe dans l'espace, ça risque de mettre un peu moins de cohérence dans son intrigue. Et c'est aussi du coup au joueur de faire en sorte qu'il reste de la cohérence. Et ça va être parfois de se dire, en fait j'ai une question et j'y réponds parce que la réponse est cohérente et j'ai pas besoin d'une table aléatoire pour répondre. J'imagine naturellement la suite et comme ça me plaît, je le garde. J'ai pas besoin de rajouter une couche d'aléatoire sur cette réponse-là. Alors, est-ce qu'on aurait d'autres exemples d'émulateurs de MJ comme ça pour placer? Donc, on a parlé un petit peu du One Page Solo Engine. Donc, celui-là, il est vraiment très court. Hein. Il fait deux pages, en fait. C'est à peu près une page recto verso, au final. Si vous voulez vous essayer, c'est un outil voilà, pour tester. Vous avez les MuseOracle, hein, ce sont des cartes à la base. Donc, ça permet de les mettre dans votre poche aussi.
Il existe un livre dans lequel il y a les cartes. Si on n'aime pas trop le format carte, il y a aussi un livre dans lequel elles sont, avec juste justement les explications d'un système qui se base sur ces cartes-là, qui permet en fait de ne pas... plutôt que d'avoir en fait un jeu de rôle physique classique sur lequel se baser, d'avoir juste ces règles-là qui sont génériques et de créer notre propre monde autour. Voilà, et puis en plus, ça marche pour n'importe quel univers, au final. Oui. Est-ce qu'on parlerait un peu de... On parlait de questions, est-ce qu'on parlerait du système 9 questions, justement, Berzer, si tu as un mot à dire là-dessus? Oui. Les 9 questions, c'est pareil, un des premiers systèmes que j'avais découvert en anglais, qui a été traduit en français grâce à la coopération de plusieurs membres de JDR Solitaire, entre autres sur l'initiative de Gaël Sacré. Donc c'est vraiment un module très léger. Je n'ai plus en tête le nombre de pages, mais on va dire entre 4 et 6 pages, donc qui sont en fait, qui correspondent à un arc narratif, d'où les 9 questions, c'est-à-dire la mise en place de l'aventure, le déroulement, les embranchements éventuels, la conclusion, etc. Et à partir de ce moment-là, à chaque scène que vous allez jouer, à chaque point clé de l'aventure, vous allez jeter un dé pour déterminer un peu la teneur de la scène, et à partir de ce moment, vous allez la jouer avec des possibilités d'introduction de PNJ, etc., de posage de scène, de comment vous réagissez face à l'adversité, ou comment l'adversité réagit à vous, etc., d'une manière très très simple, je dirais presque littéraire, d'une certaine manière, tout en restant vraiment très clair et léger, quoi. Donc, c'est aussi un bon petit système que je conseille pour commencer à découvrir le jeu de rôle en solo. Et je vais faire juste une petite parenthèse, Maurice, si tu me le permets, pour en fait dire qu'il y a aussi un système qui est très bien, qui est vraiment très léger, qui peut être une porte d'entrée pour commencer le solo. C'est et je les utilise beaucoup comme outil aussi pour le jeu de rôle en solo suivant les jeux, c'est les Rory Story Cube, car ce sont des dés avec des faces dessinées de personnages, d'actions, etc., qui sont vraiment super pour le jeu de rôle en solo. Il y a plusieurs mécaniques qui tournent avec. En plus, il y en a par thème, Star Wars, horreur, aventure, etc., exploration. Et ça permet de jouer aussi avec toute la famille, en tant qu'outil de base, et de les utiliser pour le solo. Il y a plusieurs mécaniques qui tournent autour de ça. Voilà pour la parenthèse. Désolé. Ah non, mais ça s'intègre tout à fait. Hein. Ça reste un outil pour pouvoir jouer au final à n'importe quel jeu, puisqu'on peut trouver de l'inspiration aussi sur des images, après tout. Ce sont des dés avec des faces, des petites images dessus. On peut tout à fait... au lieu d'avoir des tables aléatoires avec des mots dedans, ou des cartes avec des mots, on peut aussi s'inspirer d'images, pourquoi pas. Tout à fait. Vu qu'on commence à aborder justement le côté un peu plus images, tout ça, est-ce qu'on va peut-être parler aussi des outils qui existent en ligne? Parce que si vous aimez après tout plutôt jouer sur un écran, et ben, y a aussi des moyens pour jouer au solo n'importe où, sans avoir besoin de vous balader avec des livrets ou des cartes et tout ça, puisqu'on a des applis, il y a des sites web qui peuvent être utilisés aussi. Donc on parlait des tables aléatoires, notamment on peut citer le site Chartopia, qui contient énormément de tables. Alors ça peut être créé par vous-même, hein, si vous voulez, vous pouvez créer vos propres tables aléatoires dessus. Vous êtes la communauté qui va mettre en ligne des tables sur ses jeux préférés, évidemment, hein. Donc on va retrouver des jeux assez connus, mais vous pouvez tout à fait créer les vôtres aussi. Notamment, moi, je l'ai utilisé de temps en temps, hein, les tables pour Iron Sword, qui sont disponibles en français, grâce à Angela, merci à toi. Donc ça, c'est vraiment uniquement pour faire des jets sur des tables aléatoires, mais il y a vraiment des applis pour jouer en solo. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de jouer avec des applis sur smartphone, peut-être. Moi, je sais que ça m'arrive
Pas souvent. J'ai déjà testé le Iron Journal et l'appli Stargazer qui permettent de jouer à Iron Sworn et Starforge. Donc, ils sont pour l'instant qui sont en anglais toujours. Mais ils sont très très bien conçus. Donc, si vous aimez Iron Sworn et que l'anglais ne vous fait pas peur, vous pouvez aller tester ces deux applis qui sont super. Ils sont disponibles gratuitement, évidemment, aussi. Non. Moi, je ne joue pas du tout en ligne. Par contre, j'utilise les tables aléatoires créées par Thomas Munier, par exemple, pour Millevaux, parce que c'est l'ambiance que j'aime beaucoup, en fait. Et elles sont sur Chartopia. Mais sinon, au niveau appli, c'est pas ma pratique. Bon, c'est pour montrer sur Chartopia, il y a plusieurs tables qui sont en français. Donc ça, c'est pas mal. Il y a également des tables sur dans l'univers Harry Potter aussi, si vous voulez, en français. Les autres, ça vous arrive d'utiliser des outils en ligne pour jouer en solo, mais pas que aussi. J'utilise principalement la plateforme Tails de Harpy, qui à la base, le Tails sert pour du jeu de rôle textuel, mais je l'utilise justement pour faire mes parties si je veux les retrouver. Enfin, je peux me connecter sur plusieurs navigateurs, donc du coup, je peux les retrouver sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Mais ça m'arrive aussi d'écrire, prendre une feuille et un crayon justement pour déconnecter des écrans. Donc Tails, ça fonctionne comment? Il faut créer un compte, c'est ça? Et on peut, alors, c'est une création de compte. La base est gratuite. Alors, si tu veux bien, Jella, afficher la présentation, c'est harpy.gg/tails, T-A-L-E-S, l'URL pour y aller. Et en fait, il y a simplement un petit module, donc Tails, pour écrire, qui va nous permettre d'avoir différents types de posts en fonction de si c'est une description, si c'est un personnage qui parle, et puis à côté, on va pouvoir utiliser le codex, qui est notre application qui est implémentée dedans et qui va nous permettre en fait de garder toutes les informations. Ça va servir en fait de mini-encyclopédie. Voilà, les GD aussi sont intégrés. Au moins ceux de base pour l'instant, ils commencent à développer pour des plus compliqués. Donc voilà, moi en tout cas c'est ce que j'utilise. Oui, parce qu'au final c'est vrai que quand on écrit sur des cahiers, ça commence à faire beaucoup, hein. Si on aime bien rédiger nos aventures en solo, c'est pas mal d'avoir des applis qui permettent de stocker tout ça de manière un peu plus simple. Même, je pense qu'on peut accéder à des PNJ, on doit pouvoir trouver avec des fils et ce genre de choses, ça permet de classer un peu mieux les informations qu'on a dans ces parties, parce que même si on joue en solo, hein, si on joue en campagne, moi je le sais, hein, au bout d'un moment, on se retrouve avec 15 PNJ, on ne sait plus qui est où, qui fait quoi, et il faut quand même avoir plein de fils, en fait. Je l'utilise majoritairement pour les grosses parties, entre guillemets, celles qui durent une demi-heure ou 15 minutes, voire moins. Je sais que je ne l'utilise pas, je le préfère sur papier, mais c'est vrai que quand je veux me lancer soit dans un scénario, soit dans une campagne avec quelque chose de suivi, je préfère cette application-là qui me permet de garder beaucoup plus de choses en mémoire. Le papier, c'est bien aussi, hein. Et puis après, on peut le jeter ou le brûler, c'est pas grave. Moi, on a fait notre expérience, il n'y a pas besoin de tout garder. Effectivement, si on n'a pas envie, on peut tout jeter à la fin, mais moi je sais que je tiens un petit peu à garder toutes mes histoires que je fais en partie, donc ça commence à s'accumuler un petit peu parfois, mais on peut aussi utiliser en fait des outils qu'on s'en sert la plupart du temps pour le jeu de rôle virtuel en groupe, hein. Roll20, ça peut très bien marcher, ou si vous préférez Foundry ou une autre table virtuelle. Moi pour l'instant, jusqu'à présent, étant MJ, avec assez peu d'expérience pour l'instant, j'ai quand même réussi à faire en sorte de stocker pas mal d'infos pour du Iron Sworn sur Roll20. Donc, c'est quand même assez pratique d'avoir accès à des fiches de personnages, de pouvoir intégrer toutes les données, même d'avoir une carte, en fait, c'est bête, mais juste d'avoir une carte affichée où on peut placer comme ça des petits pions, des tokens pour avoir des lieux, des villages, avec toutes les infos qu'on a besoin dedans, c'est quand même assez pratique.
Oui, c'est pratique. Ouais. Surtout si tu joues en bac à sable, comme Voilà. mode de jeu, ça aide. Brainstorm, oui, c'est le principe de créer son propre univers tout en jouant. Donc ça va se développer au fil des parties. Donc, on part d'une carte qui est quasiment vierge et on va rajouter comme ça des lieux avec les personnages qui s'y trouvent. Et donc, ouais, effectivement, au bout d'un moment, ça fait beaucoup de données si on étend vraiment son univers et qu'on s'en resserre par la suite. Donc c'est bien de pouvoir garder tout ça en mémoire quelque part. Plutôt que dans des énormes classeurs, ça peut être aussi une façon de le faire. Mais... En ligne, on avait noté, il y a plusieurs outils très spécifiques. Ce que j'affiche, donc, qui n'est pas très attractif visuellement, mais qui est très pratique, j'imagine, pour ceux qui jouent en ligne. Je ne sais pas si vous l'utilisez, mais vous l'aviez mis dans la liste. Lequel? Run DM Solo. Ah oui, Et pour noter tous les noms des personnages, les actions, en résumé. c'est une petite table virtuelle dédiée au jeu de rôle solo. Ça existe. Il y a plusieurs tables en ligne ou logiciels qui sont vraiment dédiées pour le jeu de rôle solo, qui ont leur propre oracle, leur propre table aléatoire. Je pense par exemple à The Augur, qui était au début dédié à Iron Sworn seulement, mais au fil du temps, le développeur l'ouvre à d'autres jeux, soit des systèmes génériques, soit Donjons et Dragons, donc j'imagine qu'il y aura d'autres jeux qui vont suivre, et spécifiquement dédiés pour le jeu de rôle solo, avec des mécaniques par exemple très impressionnantes de lieux qui se créent de manière procédurale, des villes, des antres, avec PNJ, avec historique des personnages, caractéristiques des créatures, enfin c'est vraiment très très impressionnant et je conseille la découverte de The Augur VTT, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'en anglais malheureusement. Mais qui sait, un jour il y aura peut-être du français en plus. Alors pour le coup, moi je vais rajouter une ressource qu'on n'avait pas prévue au départ, mais on a eu une présentation de Fary App, donc Fary VTT, qui a été présentée hier par son créateur, hein, lors d'une table ronde. Donc c'est aussi une table virtuelle open source, totalement gratuite, et qui inclut énormément d'outils. Et je pense que pour le jeu de rôle solo, ça peut être pas mal aussi, parce que ça inclut notamment des oracles, des dés qu'on peut lancer, des story dice qu'on peut trouver Ah, avec des cours. super. Il y a vraiment énormément de choses dessus. Vous pouvez créer vous-même des fiches de personnages. C'est très simple à faire, moi qui ne suis pas spécialement connaisseuse en matière d'informatique. J'ai réussi en 15 minutes à créer ma propre fiche de personnage. Et on peut créer aussi une table, en fait. On peut créer des scènes. Quand on est MJ, évidemment, ça sert quand on prépare une partie, mais on peut aussi, je pense, s'en servir quand on est en solo. Donc, on crée sur chaque scène qu'on va créer, on peut ajouter un petit peu comme des fiches, en fait, des fiches de PNJ qui se trouvent là, des lieux, des détails qu'on veut ajouter dedans. Et pareil, ça c'est un peu présenté de la même manière, hein, que ce qu'on voyait juste avant. Hein, ça va être des fiches voilà, de PNJ, de lieux, et puis vous pouvez intégrer des images si vous voulez. Ça intègre évidemment les jets de dés dessus. Donc vous pouvez créer vous-même une fiche avec, par exemple, les dés que vous voulez lancer. Vous pouvez les programmer, en fait. Ça vous évitera de le faire manuellement à chaque fois. Si vous lancez 2 D6 plus quelque chose, voilà, vous pouvez déjà créer votre fiche avec tout dessus. Et donc, oui, voilà, il y a pas mal d'oracles dessus. Je pense que ça peut être très pratique pour des jeux de rôle solo aussi, ça. Donc, Paris App, Paris.app. Voilà, dans les outils, il y a énormément de choses, hein. Des jets de dés, des oracles. Alors pour l'instant, il y a un oracle aussi pour des questions oui/non. C'est basé sur le système de Fate, je crois. Je pense que si on contacte le créateur, on pourra aussi intégrer par exemple les oracles oui/non d'Iron Swarm. Ils sont pas tout à fait les mêmes. Pour savoir si quelque chose est probable, plutôt improbable, plutôt impossible, etc. Changer les probabilités du jet de dés. Ouais, super. Voilà, c'est là aussi, je pense que vous pouvez aller explorer cette nouvelle table virtuelle. Alors, elle est mise à jour régulièrement, hein. Le créateur
pose dessus. Et donc, la communauté peut participer. Comme je vous ai dit, moi, j'ai réussi à créer une feuille de personnage. Donc, tout le monde peut venir créer des feuilles de personnage pour des jeux existants, par exemple, ou même pour votre système à vous, si vous voulez. C'est tout à fait possible. Alors du coup, il nous reste disons un petit peu moins de 10 minutes sur notre table ronde. Je pense qu'on pourrait essayer de donner quelques liens vers des ressources si les gens ont envie d'aller explorer davantage, hein, parce que là, on a fait évidemment une petite sélection de ce qui existe. Hein, on ne peut pas vous parler de tout ce qui se fait en jeu de rôle solo, il y a énormément de choses. Alors déjà, on va vous dire, là, venez sur le serveur JDR Solitaire, je pense. Hein. Oui, c'est clair. on est sympathique, on ne mord pas, on a plein de toutes les ressources dont on vous a parlé, vous pouvez les retrouver là-bas. C'est une communauté qui est très sympathique, on a des gens qui sont toujours bienveillants et qui répondront à toutes vos questions si vous êtes un peu perdu dans le jeu de rôle solo. On a évidemment aussi les liens donc, vers ta page, on sait là, hein, du Club de l'Ermite, qui contient énormément de choses. Après, je peux présenter la toute nouvelle page de ressources. Exactement. Ça vient de sortir. L'exclusivité, attention. Oui, super. Donc, il faut taper jdrsolo.fr. Et vous tomberez du coup sur une page qui présente une page qui présente pas mal de ressources francophones, donc communauté, jeux, articles et vidéos Actual Play. Et l'idée, c'est d'en faire un peu une page référence pour toutes les ressources francophones qu'on peut trouver. Parce que le problème des jeux en solitaire, c'est que même si ça commence un peu à être connu, les ressources sont éparpillées un peu partout. Donc j'espère que la page sera utile. Le problème, c'est que je crois que je ne peux pas appuyer en même temps que je descends. Donc, je ne peux pas appuyer sur ma voix pour parler en même temps que je descends sur la page. Donc, Maury, je te laisse continuer. On va mettre le lien dans le chat, peut-être, si les gens ont envie d'aller voir ce méga site web. Je vais vous mettre ça. Donc, là-dessus, on retrouvera effectivement toutes les ressources possibles et imaginables dont on vous a parlé ici. Pour jeu de rôle solo, donc effectivement c'est un gros catalogue, hein. Si vous cherchez plutôt des conseils, il va falloir trier un petit peu tout ça, mais vous pouvez effectivement venir chercher des communautés de rôlistes, hein, de solo, il y a quand même énormément de gens qui jouent au jeu de rôle solo, même si ça reste un petit peu obscur parfois, il y a des gens qui ne connaissaient pas le jeu de rôle solo jusqu'à il n'y a pas longtemps, et pourtant ça existe depuis longtemps le jeu de rôle solo, non? Oui, oui, oui. En plus, j'ajouterais, Maury, que en ce moment, c'est quand même pas mal frémissant du côté de la communauté francophone. Il y a pas mal de jeux, de modules et tout simplement d'activités autour du jeu de rôle en solitaire, voire même... comment dire, quelque chose de vraiment plaisant et qui montre bien qu'il y a une activité et que ça bouge bien, c'est que des auteurs même maintenant francophones font leur propre module solo pour leur jeu. Je pense par exemple à Faerie Noire qui a sorti son module pour jouer en solitaire et c'est pas le seul. Donc ça, c'est vraiment super. Mais tu as raison, Maurice, ça dure depuis longtemps. Ça dure depuis longtemps l'activité du jeu de rôle en solo dès les premières sorties de Donjons et Dragons. Et surtout, on a une super page qui retrace l'histoire du jeu de rôle solo, qui est très intéressante aussi. Ah oui. Que vous pourrez retrouver parmi les ressources qu'on va vous lister. Ça retrace vraiment toute l'histoire du JDR solo depuis le début du jeu de rôle, puisqu'au final, tous les outils dont on vous a parlé jusqu'à maintenant, les tables aléatoires, ça existait dans plein de jeux. Et même les jeux qui ne sont pas forcément conçus pour du jeu de rôle solo
les MJ peuvent aussi se servir de tous ces outils-là. Donc, au final, ça existe depuis les débuts du GDR. Plutôt depuis les débuts du Wargame. Parce que le début du GDR, c'est quand même... Il y a polémique sur la date précise. Parce que les années 70, c'était quand même des Wargames. Oui, on va dire que c'était très lié l'un et l'autre. Oui. Donc, les Wargames, utilisaient-ils des tables aléatoires? Ce sera un sujet à débattre aussi. Est-ce que c'est du JDR ou pas? Ça, ce sera un débat dont on ne parlera pas, par contre. Alors, aussi, il y a quelque chose qui est assez, assez nouveau, entre guillemets, c'est qu'il y a énormément d'actual play, mais de solo aussi. Ça, c'est quelque chose qui peut paraître étonnant, mais jouer seul, mais s'enregistrer pour le montrer aux autres, c'est quand même un peu bizarre, non? Je sais qu'il y en a peut-être dans le chat qui sont présents, qui ont l'habitude de cet exercice, mais au final, c'est quelque chose qui s'y prête très très bien, parce que on peut jouer seul, mais on peut aussi faire participer le public si on joue en live, justement. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de regarder? Moi, je sais que, par exemple, pour Iron Sword, j'ai déjà été voir les actual plays de Sandro, qui nous a fait quelques actual plays très sympathiques sur Iron Sword, et sur Starforge, sa version qui va bientôt sortir, donc version science-fiction d'Iron Sword. Ça permet de voir justement les mécaniques, parce que quand on est tout seul à tester un jeu de rôle solo, on peut, contrairement à un jeu en groupe, on n'a pas vraiment de personne à côté pour nous aider à assimiler les règles du jeu. Le fait d'avoir des vidéos, c'est quand même vachement pratique, ça. Oui, c'est clair. Moi, justement, en ce moment, je suis l'actual play de l'auteur de Faerie Noire, qui joue avec son module solo, qui fait des podcasts, des actual play de parties solo de son jeu. Et c'est super. Et justement, on parle de vidéos et de parties d'actual play en live. Si vous restez, vous attendez 30 minutes après notre table ronde, vous allez pouvoir justement assister à des parties de jeux de rôle solo en direct. Donc on aura Tourte qui va présenter des petits jeux de rôle assez simples justement en 30 minutes. Et ce sera juste après suivi par une présentation d'un jeu un peu plus conséquent, donc avec Kiefer. Il va nous faire un jeu de rôle solo avec un personnage de cow-boy solitaire qui a été choisi donc par la communauté. Il a fait voter les gens et donc il a choisi le cow-boy solitaire. On verra ce que ça donne. Tout ça. Donc c'est juste après, dans 30 minutes, si vous voulez rester sur la thématique du jeu de rôle solo et voir justement à quoi ça ressemble. Et vous pouvez également aussi aller faire un tour sur le stand JDR Solitaire si vous avez plus ample question. On a aussi des activités hein, dans le cadre du Festival Draconis qui s'apparentent à du jeu de rôle solo, puisqu'il y a du jeu de rôle textuel, donc vous pouvez là aussi générer aléatoirement des petits détails pour trouver l'inspiration et commencer à écrire et faire de la création d'univers aussi basé sur des tables aléatoires. Donc c'est encore le même principe que les jeux de rôle solo, vous allez voir, c'est assez simple en fait. Hein. Vous pouvez tester directement au cours du festival toutes ces mécaniques dont on vous a parlé. On va conclure notre table ronde. Si vous avez un dernier mot à nous dire avant de se quitter. Bon, j'y vais. Amusez-vous bien et bon jeu. Et testez le solo. C'est vraiment super pour apprendre à improviser. Angela, Lorraine. Oui, je suis... Pardon. Testez et vous verrez, tous les thèmes possibles, donc il y a forcément un thème qui vous intéressera, un mode de jeu aussi, et si vous aimez pas, c'est pas grave, jouer en groupe, en ligne ou autour d'une table, c'est très bien aussi. Je vais un peu faire rediff, mais si ça vous tente, n'hésitez pas à tester, sentez-vous libre de tester celui qui vous plaît en premier, plutôt que de suivre la... Si on vous conseille quelque chose qui vous plaît pas, suivez le pas et faites à votre goût et vous verrez bien si vous aimez ou pas. Et donc moi je conclurai en disant plus ou moins la même chose. Hein. Donc essayez, il y a énormément de jeux et tous ceux qu'on vous a présentés, la plupart sont gratuits. Donc c'est quand même extraordinaire d'avoir autant de ressources pour essayer des jeux qui sont gratuits. Donc faut pas hésiter à aller télécharger tous ces petits jeux et faire vous faire votre idée. Vous allez voir,
comme on disait, il y aura forcément quelque chose qui va vous plaire dans un univers qui vous plaira. Et si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave. Mais continuez de jouer et d'apprécier le jeu de rôle solo ou pas solo sous toutes ses formes qui existent. C'est le principal. Du coup, je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde. Merci beaucoup de nous avoir apporté votre expertise dans ce domaine. J'espère que les personnes qui étaient présentes ont apprécié notre petite présentation. Et on vous dit à très bientôt sur peut-être sur JDR Solitaire, mais aussi pendant le festival et un peu partout ailleurs également. Au revoir, à bientôt. Bon dimanche. À bientôt, merci à vous.